Dans ce document à savoir numéro 10, nous allons parler de la loi de Stephen Boltzmann. Donc c'est une loi empirique, ça veut dire qu'elle a été, cette loi a été trouvée par des mesures, par l'expérience, et non démontrée théoriquement. Mais elle a été trouvée par l'expérience. Donc un corps noir de température constante et réémet tout le rayonnement qu'il absorbe. La loi de Stephen Boltzmann permet de relier le rayonnement du corps noir à sa température. Donc finalement, ça signifie que là, on a une définition, c'est un corps noir. Donc un corps noir, c'est un objet, quel qu'il soit, à partir du moment où lui envoie un rayonnement et qu'il absorbe ce rayonnement, eh ben, il va augmenter son énergie, il peut avoir une augmentation d'énergie thermique du fait de son l'augmentation de l'agitation thermique, et il va finir par se désexciter et réémettre le rayonnement qu'il a reçu, et tout le rayonnement qu'il a reçu. C'est ça la définition d'un corps noir. Et finalement, la loi de Stephen Boltzmann nous donne la température d'un corps noir à la surface de notre corps noir en fonction de la puissance surfacique qu'il est capable d'absorber et donc de réémettre. Donc la puissance surfacique émise par le corps noir, qui sera en watts par mètre carré, qui est donc ici, sera égale à la constante de Stefan Boltzmann multipliée par la température du corps noir à la puissance 4. Donc on revient maintenant, donc la constante, j'y reviens pas, elle a une valeur de 5,67 fois 10 puissance moins 8, son unité watt par mètre au carré, par mètre carré par Kelvin puissance moins 4, alors par Kelvin puissance 4 ou Kelvin puissance moins 4, pardon. Et la température du corps noir, elle sera ici en Kelvin. Donc faites attention, ici c'est Kelvin. Il y a des formules dans lesquelles on peut intervertir Kelvin et degrés Celsius, ce n'est pas le cas ici.